Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'images libres de droit gratuites. Alors c'est parti. Je tiens à m'excuser, comme tu as pu le voir, la mise au point a fait des caprices lors du tournage, donc je suis vraiment désolé, mais je te rassure, la mise au point sera un petit peu meilleure, enfin sera même meilleure un peu plus tard dans la vidéo. Alors bon visionnage. Je suis heureux de vous retrouver après ces plusieurs semaines de vacances où j'ai pas été présent sur YouTube. J'ai profité pour faire un petit tour de la France. J'ai fait les Alpes, le Lot-et-Garonne et la Bretagne en 3 semaines. C'était une superbe aventure. Franchement, je suis super content. Franchement, j'espère que vous avez passé d'aussi bonnes vacances que j'ai pu passer parce que c'était vraiment trop bien. Ouais, c'était trop bien. Puis t'as vu, maintenant j'ai un bandana. Petit chignon. Petit bandana, on est bien, on a le style, c'est impeccable. Avant de commencer cette vidéo, en fait, je voudrais te dire que sur la chaîne, on est maintenant 436 abonnés. Alors évidemment, ça fait pas beaucoup d'abonnés par rapport à d'autres youtubeurs. En tout cas, moi, j'ai envie de te lancer un petit défi. Parce que j'ai eu quelques petits commentaires de personnes qui m'ont dit sur ma chaîne, Aurélien, tu mérites d'être connu. Eh bien, bah aide-moi, aidez-moi à être plus connu. L'idée, je me suis dit, allez, on se donne. Deux mois pour atteindre les 500 abonnés. Et pourquoi pas, on va dire, on se donne 4 mois. Allez, 4 mois pour atteindre les 1000 abonnés. Pourquoi j'ai envie d'atteindre les 1000 abonnés? Et bon, si j'en ai plus, c'est bien. Mais pourquoi les 1000 abonnés? Parce que le but, c'est d'avoir une communauté. Actuellement, les sujets que je traite sur ma chaîne, c'est des sujets que je vais chercher moi de mon côté, et c'est cool hein, d'aller traiter les sujets qui m'intéressent, que j'ai envie de chercher. Mais ce que j'ai envie vraiment... Premièrement, c'est de traiter en fait des sujets qui t'intéressent. Toi, que tu vas me demander directement toi, que ce soit en commentaire, en me contactant, etc. Mais que je traite des sujets qui t'intéressent toi, que ce soit des questionnements, des problématiques, etc. Donc voilà, je veux vraiment pouvoir aborder des sujets qui t'intéressent toi et où je vais vraiment apporter une réponse à ton questionnement. Voilà, j'ai l'impression que je me répète un peu. Et ensuite, c'est aussi bah, pour me faire connaître et pour pouvoir faire des projets plus intéressants, créer des trucs d'un peu plus grosse envergure. Bon, évidemment, avec 1000 abonnés, c'est un peu compliqué, mais petit à petit, voilà. Au moins, avec 1000 abonnés, déjà, je pourrais répondre à tes questionnements. Abordons le sujet du jour, qui est les images libres de droit gratuites. Alors, pourquoi je dis libres de droit gratuit? Parce que j'ai un peu l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui confondent libre de droit et gratuité. D'ailleurs, sur le sujet du libre de droit, j'ai fait une vidéo sur les musiques libres de droit. Donc si ça t'intéresse, eh bien, je t'invite à voir la fiche qui s'affiche en haut de la vidéo pour si tu veux voir la vidéo. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que image libre de droit, ça ne veut pas dire image gratuite. Et oui, image libre de droit, ça ne veut pas dire image gratuite. Tu as énormément de sites d'images libres de droit, et il y en a des gratuits, mais il y en a surtout des payants qui sont des sites comme Adobe Stock Photo, eStock Photo, enfin voilà, il y a énormément de sites qui te proposent des images de qualité, mais c'est payant. Et moi aujourd'hui, en fait, je voudrais te partager 2 sites, voire même 3 sites, mais il y a notamment 2 sites que j'utilise beaucoup, qui vont te permettre d'accéder à une banque d'images qui vont être libres de droit et gratuites. Donc tu vas pouvoir les utiliser sans avoir besoin de payer, rien du tout. Tu n'auras pas besoin de payer pour les utiliser. Et c'est vraiment des images que je trouve vraiment de très bonne qualité. Alors hop, on passe sur l'écran. Et on y va. Ok, alors nous voici sur l'écran de mon ordinateur. Et on va aller voir le premier site. Alors le premier site, c'est unsplash.com. Alors comme tu peux le remarquer, c'est un site en anglais. Donc là, si tu veux chercher un nom particulier et que tu ne le sais pas en anglais, tout simplement, tu as Google Traduction et tu traduis ton mot, tout simplement. Là, on va partir, je sais pas, je leur dis, c'est des images qui sont gratuites, libres de droit et gratuites, et qui sont des images qui sont vraiment, si on fait un peu le tour comme ça, qui sont vraiment de très très bonne qualité. Par exemple, on va regarder School. Oui, c'est la rentrée des classes, alors voilà, c'est cool. Et on a plein d'images qui font référence à l'école. Voilà, on va peut-être aller voir, je sais pas, un autre mot. Happy. Don't worry, be happy. Voilà. Ouh, cette image, je l'aime bien, le petit chien là. On va cliquer dessus.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a l'image du chien ici, et en fait juste en dessous on va avoir plein d'images qui vont être des images similaires en fait à cette image. Donc là on a plein d'images similaires. Et tout en bas, on va avoir une espèce de bibliothèque d'images similaires qui vont être rassemblées par thème ou par mot-clé. Voilà. Donc là, si tu veux télécharger l'image, tout simplement, soit tu fais Download Free et ça va télécharger l'image dans la plus grande résolution, ou alors tu peux choisir ici, en cliquant sur la flèche, la résolution de ton image. Donc nous, on va faire Download Free. Et là, on voit que mon image a été téléchargée. Et ce qu'il te demande, donc merci. Et on remercie Joe Kion, si je dis pas de bêtises. Et voilà, si on veut, bah, simplement, pour remercier son travail, bah, si on peut partager son travail, voilà, qu'il a un peu posté sur Unsplash, mais on n'est pas obligé. Voilà. Donc, on peut fermer ça. Et donc, j'ai bien mon image qui a été téléchargée. Donc, ça, c'est le premier site. C'est unsplash.com. Le deuxième site, c'est Pexels. Pexels.com. Pexels.com. Ouais, voilà, c'est mieux si je dis comme ça. Alors là, j'ai une belle surprise parce que je suis parti le voir tout à l'heure. Et moi, à la base, je l'avais qu'en anglais, ce site. Et apparemment, il est aussi maintenant en français. Donc c'est une bonne nouvelle pour les gens qui n'ont pas envie de s'embêter avec l'anglais, parce que moi je l'avais qu'en anglais, et bon maintenant il y a du français, donc c'est chouette, voilà. Donc pareil, là on a aussi des images de très très bonne qualité, hein. Enfin je sais pas, tu vois, on peut cliquer sur celle-là, voilà, enfin je trouve que les images sont vraiment qualitatives. Ah oui, et il y a des aussi, tiens, c'est l'importante, la chose à savoir, il y a aussi des vidéos. Donc on va voir par exemple, je vais faire une recherche, je vais marquer happy, voilà, faire la petite recherche, voilà, donc pareil, on a plusieurs images de qualité, donc on va prendre peut-être, on va prendre celle-là, ce monsieur avec le petit jeu de couleurs blanc et rouge, on va cliquer dessus, et là voilà, pareil, télécharger gratuitement, où on choisit la dimension qu'on veut, donc hop, télécharger gratuitement. Et là, on a juste nos créateurs aiment avoir de vos nouvelles et voir comment vous avez utilisé leurs photos. Soutenez-les en faisant un don, en tweetant ou en les suivant. Donc là, voilà, on peut les partager ou leur faire un don, mais voilà, ça reste quand même des images qui sont gratuites. Et donc là, voilà, on a l'image qui a été téléchargée. Donc c'est chouette, c'est gratuit, c'est cool. Voilà, si vous voulez être sympa, faites un don, partagez, etc., etc. Et on peut aussi trouver des vidéos. Alors attends, je sais plus où c'était. Les vidéos. Voilà, ici vidéo. Et là, donc, on va avoir toute une bibliothèque de vidéos. Donc, je vais faire happy. Pareil, on va rester sur le mot-clé happy. Et là, on va voir plein de vidéos sur ce thème-là. On va prendre la première pour voir. Alors désolé, j'ai une connexion pourrie. Ma fibre ne fonctionne pas, donc je suis sur une clé 3G en ce moment. Donc, c'est pas tip-top. Oh, c'est chouette. Ça rend vraiment happy, hein. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Bref, voilà. Et donc, pareil, tu peux télécharger. Bon, là, je vais pas la télécharger. Comme je t'ai dit, j'ai une connexion qui est pas tip-top. Donc, je vais pas passer mon temps là-dessus. Voilà, donc ça, c'était pexels.com. Et enfin, on a Pixabay, qui, lui, est en français. Et là, on va chercher heureux, parce qu'on a envie de le mettre en français cette fois-ci. Et là, on a des images, on a des images qui sont finalement si... Enfin, il y en a qui sont de bonne qualité, mais je trouve que c'est un peu plus fouillé. On a plus d'images aussi qui sont moins bonne qualité. Genre, je pense à ces images-là, ou... Enfin, moi, voilà, je suis un peu moins fan de celui-là, mais ça reste quand même des images de qualité, hein, donc voilà. Donc, je sais pas, on peut aller voir photo noir et blanc, parce que j'adore ça. Donc, on va cliquer sur ça, et pareil, là, télécharger gratuitement. Là, on nous demande la taille de l'image. Je vais prendre celle-là, 1536 par 1920. Télécharger. Là, un petit captcha. Hop, je ne suis pas un robot. Télécharger. Et là... Pensez à remercier l'auteur de cette image. Il n'est pas nécessaire, je vais y arriver. Il n'est pas nécessaire de donner crédit à l'auteur, mais les liens sont grandement appréciés et permettent aux auteurs d'images de se faire connaître. Vous pouvez utiliser le texte suivant. Donc c'est pareil, c'est 100% gratuit, mais là on nous demande finalement de les partager, de leur faire la pub pour leur travail, ce qui est compréhensible. Hop, je voulais pas faire ça par ici, reviens là. Voilà.
Donc, le premier site, nous sommes sur unsplash.com. Le deuxième site, nous sommes sur pexels.com. Et le troisième site, nous sommes sur pixabay.com. Donc déjà, rien qu'avec ça, tu as de quoi faire pour te faire des petites sessions de photos, en tout cas télécharger des photos gratuites et de qualité. Voilà un petit peu pour ces trois sites d'images libres de droit totalement gratuites. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, voilà, je te demande encore une fois, aide-moi à augmenter la communauté de la chaîne. Donc, que ce soit cette vidéo ou d'autres vidéos, partage-les. D'ailleurs, je vais quand même te le dire, mais les liens des trois sites là que je viens de te partager, je les mets en description. Comme ça, t'as pas besoin de les noter, tu cliques sur le lien et ce sera fait. Voilà, en tout cas, je t'invite que ce soit cette vidéo ou les autres vidéos, à les partager, à parler de mon travail, de ce que je fais autour de toi, à partager. Tout simplement pour m'aider à faire grandir cette chaîne, parce que bah, plus il y aura de gens, plus ça me motivera aussi, peut-être pour faire des projets plus intéressants sur cette chaîne. Voilà, donc partage, commente, like, mets-moi un pouce bleu, etc. etc. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'est la reprise, on est en forme, on est motivé à fond. Comme tu as vu, nouveau bandeau, nouvelle coupe de cheveux, c'est trop bien. Donc je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, je suis motivé, je suis en forme. À très vite, salut, porte-toi bien, fais des vidéos, fais-toi plaisir. De la contrainte naît la créativité, ma phrase favorite, salut.